Le 31, c'est quand? Ah oui, ce week-end. J'aimerais cuisiner chez toi. Aujourd'hui? Ouais, allez. Ça te dérange pas? Non, non. Je pense que je vais faire un vlog en fait. À la recherche d'un dessert avec Carole. On a trouvé ça. Je l'ai perdu déjà. Jamais. Mais tu sais que c'est la première fois que je viens aussi loin ici. Je découvre même qu'il y a une fontaine. Ben moi je suis une vieille meuf, je suis ici tous les jours et tous les jours je découvre de nouveaux trucs. Bon, c'est pas dingue cookie, mais je pense qu'ils sont tous. Alors, c'est cookie? Mmh. On adore le sucre. Tout dans les fesses. Et dans le ventre. Et le ventre, ouais. Ah, elle a vu un autre truc sucré, des gâteaux. Non, mais un jour, on va falloir bouffer tout ça, quoi. Regarde-moi ça, comment c'est cool. Ouais, mais si on bouffe ça, il faut qu'on invite des gens juste pour faire genre. On est à plusieurs parce qu'à deux. J'avoue. C'est un dessert local. Donc oui, une tarte aux œufs. Mais c'est coulant comme ça à l'intérieur? Non, ça l'était pas. C'était comme. Non, bah, c'était pas coulant. Non. Like this. À la recherche de vitamines. Alors, bah, j'irai pour Vital Energy, Improve Health, Well-Being. Both. Which one? Maca is good. Maca. Mm. You can get for 99 ringgit on here right now. This which will get you another. No, for me it's okay. I already have many compliments. sure. I just share with you. If let's say you want to consider, since your purchase is exceeded 100 ringgit, then only you can get anything from here. Yeah. And this will be 40% for you lah. But of. Mais tu sais qu'ici, ils sont très bons là-dessus, ils sont très forts. Hein. Yes, no, you didn't. Yes, I did. Et rechargé en vitamines. Regardez. Ouais. On va à l'étage où tu veux manger? Non, mais c'est bon, moi j'ai pris mon sugar rush là. Hello guys, alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Carole. Bon, elle n'est pas encore arrivée mais elle va arriver bientôt. Carole, c'est une histoire très intéressante parce que c'est une demoiselle que j'ai rencontrée à Bali qui par la suite est devenue une cliente de moi et qui a décidé de me rejoindre en Malaisie pour son grand changement de vie, en fait pour sa transition de salarié cadre à digital nomade. Voilà. Alors, on va un peu. Ok, on est bien mieux. Donc, on était au centre commercial. Je vous ai fait quelques petites vidéos là-bas. J'ai acheté deux, trois choses pour manger. Des petits gâteaux au chocolat et aux noix parce que j'aime le sucre. Du lait d'amande. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des bananes, donc j'adore manger ça avec du beurre de cacahuète et du beurre d'amande. Alors, est-ce que le son, il est au max? Yes, ok. Là, c'est vraiment un autre vlog un peu random. J'ai décidé de vous filmer cette journée parce que du coup, il s'est passé pas mal de choses intéressantes. En fait, ce matin, je suis allée au mall pour la gym, pour faire mon sport. Et Carole, qui est du coup arrivée en Malaisie, donc je l'ai aidée à trouver un appartement dans le même condo dans lequel je vis. Donc elle a un appart un peu plus loin, enfin dans un autre des buildings. Et
dans son appart, il n'y a pas de cuisine super bien équipée, contrairement à ma cuisine. Voilà. Du coup, je lui ai dit qu'elle pouvait venir chez moi quand elle voulait pour, voilà, pour manger, se faire à manger et profiter de cette installation que je n'exploite absolument pas vu que je ne sais pas cuisiner. Donc, j'ai pris des œufs aussi. Et ce midi, je vais manger patates douces au four et je pense une omelette ou des crevettes. C'est mouillé. Ok, whatever. Donc, j'ai essayé de vous filmer cette petite journée. Je vous ai mis déjà un peu ce qui s'est passé au vlog. Donc, on a acheté 2-3 choses depuis qu'on est arrivé. On voulait prendre des vitamines. Moi, j'ai pris du maca, des racines de maca. Et voilà, et là du coup on va manger, on va travailler un peu. Du coup, en attendant, quand ce matin j'étais au sport, elle a bossé dans un café. Et c'est trop intéressant parce qu'en fait Carole n'a jamais... Ok, je vais dire très simplement, Carole vient de sortir de la rat race. Donc vraiment le métro boulot dodo. Donc c'est un terme un peu péjoratif, certes, mais ça représente quand même assez bien la vie de beaucoup de personnes. Pas tous, parce qu'il y en a qui s'épanouissent dans une routine et on ne les prend pas en compte, on prend vraiment en compte des personnes qui ne s'épanouissent pas du tout, mais ont du mal à sortir de ce cercle vraiment de la roue du hamster. Tu vois, tu cours tout le temps, tu travailles toute ta vie, mais tu n'as jamais d'argent. Et ça va être intéressant parce que je vais lui poser quelques questions sur... Qu'est-ce qu'elle pense là depuis les... Là, ça fait une semaine qu'elle est arrivée ici en Malaisie, une semaine qu'elle a vraiment sauté le pas. Donc, elle a quitté son job, elle a fait une transition, une reconversion professionnelle. Donc, elle était à la base cadre. De toute façon, elle vous en parlera mieux que moi. Et là, elle est vraiment coach à 100% et elle vit à 100% de son activité. Bon, elle débute, mais en tout cas, c'est le projet, c'est le but. Donc, je vais lui poser des questions sur cette transition et comment... Voilà, comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle pense jusqu'à présent de cette nouvelle aventure de vie. Et ça va être pas mal. Alors, on va rincer ça. Jusqu'à présent, je sais qu'elle a des retours quand même assez positifs. Mais elle ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Elle réalise pas que c'est sa vie en fait. Elle réalise pas qu'elle n'est pas en vacances. Que les vacances, c'est sa vie. Et c'est vrai qu'au début, quand tu te lances comme ça à 100% dans le digital, surtout quand tu es nomade, au début, c'est très difficile de te dire que c'est ta vie en fait. Tu es dans des pays, tu es dans des nouvelles villes, tu prends l'avion très souvent. Mais c'est pas des vacances. C'est bizarre à expliquer. Mais c'est vraiment, c'est ta vie en fait, voilà. Tu peux travailler d'où tu veux, tu as ton ordinateur, tu as tes revenus et tu fais ce que tu veux en fait. Tu n'as pas besoin de rester dans un seul endroit. Tu peux si tu as envie, mais si tu as envie d'aller explorer le monde, d'aller t'installer un peu partout dans les villes que tu désires explorer, visiter, tu peux. Donc, pourquoi ne pas le faire? Ah, elle est arrivée. Cette serrure, cette poignée. Je crois qu'elle se décolle en plus là. C'est vrai? Oh, ça va passer entre les mains. Je suis jalouse. Ok, faites des travaux là. Ouais. Je cherche mon téléphone. On est matrixé, on est dans ce truc, ce mood, ce sale mood où tout le monde est malheureux et c'est répandu d'une énergie négative. Tu vois. Ici, les gens ils sont juste. Juste bien, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de problème, ils n'ont jamais... Et pourtant, ils ont des problèmes. Bah oui, ils ont déjà moins d'argent que nous. Ouais. C'est pour commencer. Et comme ça, c'est ouf. Moi, je comprends pas. Repose la question. Quand t'es arrivée à Bali. Ouais, à Bali, pas en Malaisie. Non, la première fois que t'es arrivée en tant que digital man, c'était à Bali. Ouais. Dans quel état d'esprit t'étais? T'étais émerveillée partout Bah déjà, j'étais émerveillée et je trouvais les gens différents, plus gentils, plus doux. Surtout, tu vois, quand t'es hypersensible, tu fais attention aux micro-détails. Ouais. Donc tu sais, les gens, même quand ils font semblant, même quand c'est des faux sourires et tout ça. Donc oui, il y avait ça.
Et après, moi, depuis toute petite, je sais que l'Asie, c'est mon endroit de cœur, parce que moi, j'ai toujours été attirée par les trucs mignons, les gens bien élevés, polis. Les trucs enfantins. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre, mais c'est pas pareil quand t'as des expectations et quand t'arrives et que tu es submergée, en fait. Là, tu te dis, ah, mais c'est ouf. C'est trop. Il y a trop d'amour ici. Je repense à notre petite copine, là, du mall, là. Oui. Qui nous vendait ses compléments alimentaires. Ah, avec le smack. La meuf, elle aurait pu nous vendre le magasin en 10 minutes, quoi. Mais elle était tellement gentille que... Bah, tu sentais que ça lui faisait plaisir de nous parler, en fait. C'est ça. Non, là, elle était pas en train de se dire... En fait, la meuf, on a fait une masterclass, là, de closing avec elle. De ouf, mais attends. C'est naturel. C'est naturel. Parce qu'au final, c'est quoi la vente? S'intéresser, connecter. Voilà. Upsell. Là, mais pas assez exactement ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Avec tous ces prospectus là, non, mais là vous en prenez deux, mais si vous en prenez un troisième, il y a encore spécialement pour vous, guys. Combien de fois ça m'est arrivé? J'ai une question pour toi, parce que du coup je te filme. Ah, ok, salut. Alors, quelle est ta première impression? Là, ça fait une semaine que tu es arrivée. Ouais. C'est quoi ta. Bah, on en parlait un peu, du coup là, tu peux juste me dire ce que tu me disais un peu et étoffer, genre, ça fait une semaine que tu es arrivée, les gens, l'environnement, toi, comment tu te sens? Tes premiers jours en tant que digital nomade et entrepreneur libre. Libre. Hors de déjà, la matrice. Je me suis échappée de la matrice. Mon plan prison break. Prison break. A été exécuté. Véridique. Le plan prison break. Il a été exécuté avec succès. Non, mais sans déconner, comme je te disais tout à l'heure au café, j'ai l'impression que toute cette charge mentale que j'avais avec le quotidien, métro, boulot, dodo, déjà le temps qui est affreux, les gens qui sont dans un sale mood. Enfin, clairement, t'arrives ici, en fait, tu te dis, mais les gens, ils vivent avec beaucoup moins. Ils ont le smile, ils sont hyper gentils, ils sont pas stressés, ils sont... Ils profitent de chaque instant, de choses simples de la vie, quoi. Mm-hmm. Nous, il nous faut le dernier iPhone, il nous faut Netflix, il nous faut Spotify, il nous faut tout. Et même avec tout ça, on n'est pas content. On trouve le moyen d'être ungrateful, sinon. Donc ouais, ici, déjà ça enlève ce poids là, tu te sens bien, ça laisse de la place à la créativité. Et ouais, et en fait, j'avais fait un post LinkedIn dessus là, ce matin. Et en fait, ton environnement, c'est ça tellement impactant ouais, sur toi, ton humeur surtout. Et là, je me rends compte, depuis que je suis ici, ça fuse dans tous les sens, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis motivée. Et pour rien au monde. Pour rien au monde, je retourne dans la matrice. Ça fait qu'une semaine, mais pour rien au monde. Rien au monde. Rien. Je préfère être ici, galérer, problème d'argent et tout, je m'en fous. Je vais hustle, mais à fond, plutôt que de retourner là-bas. C'est juste pas possible. Non. Ouais, t'as vraiment l'impression que quand tu retournes en Europe, parce que toi tu viens de la Belgique, moi je viens de la France, mais que t'es pris dans un tourbillon, ou même si t'essayes d'être solaire, d'être optimiste, les gens, ouais, c'est ça, ils viennent avec leurs problèmes, et toi, avec ton empathie, tu vas écouter, tu vas prendre sur toi, tu absorbes. Et après, je pense que tu vas une semaine là-bas, en 3 jours, t'es contaminé. Ah, mais là, t'as plus rien, t'as plus d'énergie vitale, t'as envie de t'isoler. Ouais. Sortir, on va flamber, tu seras ma chérie, quoi. Il faut pas avoir de gars. Donc, quand Carole sera riche, elle devient mon sugar daddy. Voilà, c'est sugar daddy. Premier client, premier jackpot. Est-ce que tu aurais imaginé, il y a 4 ans, ta vie d'aujourd'hui? Non, même pas en vrai. Quand est-ce que tu as eu... Je n'aurais même pas rêvé. Impossible. Parce que il y a 4 ans, ouais, c'était juste avant Covid. Mmh. En effet. Ça fait un an que j'étais arrivée en Belgique. J'étais dans un tout autre état d'esprit. J'aurais pas été capable d'accepter une réalité comme celle-là, tu vois. J'aurais vu les gens travailler comme ça pour la plage, j'aurais dit mais... T'as dit ce sont des arnaqueurs. Mais grave, des scammers, quoi. Ce sont des menteurs. Des menteurs. C'est impossible de gagner de l'argent depuis son ordinateur. C'est impossible. Non, mais c'est trop ça, quoi. La révélation à Bali, dans quel sens? Quand je suis arrivée et que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai tourné le truc, mais je crois que j'ai pas bien ouvert le gaz. Ah, yes. Donc, ça passe comme le coca, j'espère. Ok. Ouais, non, mais la révélation, c'était ça, c'est j'ai vu de mes propres yeux. Et c'est ça que je disais dans mon post LinkedIn aujourd'hui.
c'est que les mecs, ils viennent bosser en tombe de limite les pieds dans le sable. Entre midi et deux, c'est allez, on va aller prendre quelques vagues. Allez, ça fait. Et à 17h, 18h, c'est on se pose sur la plage et on va regarder le coucher de soleil. J'ai dit, mais on a besoin de quoi de plus? Sérieusement, ça. Et les gens sont heureux, ils vivent avec beaucoup moins que ce qu'on a en Europe. Et on pique. C'est ça la vie. Ben, c'est ça. Pas le métro boulot dodo, être bloqué dans les bouchons, insulter les gens. Parce que putain, quand je conduisais, j'insultais tout le monde en Belgique. Bah oui, t'es à bout de nerfs. C'est donc ouais. C'est des armements sur la vie. C'est dangereux. Mais c'est tout le monde qui est à bout de nerfs, du coup c'est communicatif aussi. Mais c'est ça, et ça nous contamine de mauvaise énergie. Alors, du coup, j'ai jamais fait d'appartement tour depuis que j'ai quitté Hello Kitty. Donc, on va commencer par la vue parce que pour moi, c'est un des points forts de cet appartement, c'est la vue. Attends, je vais te montrer. Donc, j'ai vraiment une vue incroyable. Comme d'habitude hein, sur le trafic, sur une partie de mon immeuble et sur le lac. Voilà, voilà. Bon, je vais pas faire un appartement tour, mais en gros, j'ai quitté Hello Kitty enfin. Non mais Hello Kitty, je l'ai pas vu quoi. T'as pas vu Hello Kitty? Bah on peut demander à Janice. Donc Janice c'est celle qui me loue les appartements ici dans ce condo. Donc j'ai deux chambres, une là. Je ferai un autre vlog, peut-être appartement tour ou pas. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. J'ai deux salles de bain. La chambre ici. Bon, j'ai plus d'armoires que de chambres concrètement, mais je peux cacher une famille là-dedans. Mais c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Et la deuxième salle de bain ici, qui a été prise d'assaut par mes cosmétiques. Moi j'ai une valise, des cosmétiques et trois vêtements. Deux shorts, deux babouches. Elle est trop dans la vue cette meuf. Donc voilà mon appart d'adulte. Ah oui, du coup la question fatidique qui est importante, combien je paye? La moula. Bon, n'empêche que là, c'est pas le meilleur exemple parce que je paye beaucoup trop cher pour la Malaisie. Normalement, avec ce prix, je suis censée avoir un penthouse, en fait. Normalement, je suis censée avoir un penthouse. Mais voilà, par flemme, par paresse intellectuelle, paresse tout court, j'ai décidé de rester ici pour l'instant, en tout cas. On verra à l'avenir. Mais je paye environ 630 euros. Voilà, ça fait 3300 ringgit. Et c'est très très cher. Tous mes amis, même les expats, tout le monde m'a dit que je payais beaucoup trop cher et que je pouvais avoir des appartements beaucoup moins que ça et que voilà. Après, t'as tout compris en rentrée. Oui, j'ai tout compris, électricité, internet, le parking que je n'ai pas parce que je lui ai dit que j'avais pas de voiture, du coup elle m'a enlevé le parking. Et maintenant que je voulais un parking pour mes invités, elle m'a dit mais oui, mais c'est ce qu'elle fait, elle loue le parking parce qu'il est payant ici. Mais trop tard. Tant pis. Non mais Janice. Au début je pensais qu'elle m'arrangeait de ouf, mais je pense qu'elle s'arrange d'abord et après elle m'arrange. On a notre chef. Ah ouais. Du coup c'est les quoi, c'est là, c'est les steaks que t'as pris. Ouais, les steaks australiens. Oh. On va se faire des petits sandwichs. Mon programme d'aujourd'hui, bon, je pense que je vais monter cette vidéo YouTube que j'ai improvisée parce que j'avais pas de vidéo pour cette semaine, donc last minute, mais pourquoi pas, je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans cette vidéo quand même. Bah ouais, on devrait faire ça plus souvent. Et ensuite normalement je dois écrire, mais en fait il faut que je te montre la formation que j'ai faite parce qu'en fait elle est sur une plateforme, donc je me tâte à soit la réadapter et la réécrire, ou sinon je la laisse telle qu'elle et je me prends pas la tête. De toute façon, toute la valeur est dedans. Mais je te montrerai, je te dirai ce que t'en penses, si ça fait trop bizarre ou pas. Et voilà, hein. De toute façon, en ce moment, j'ai pas trop envie de travailler. Du coup, je fais le minimum, mais j'essaie d'aller droit au but et de faire les choses simplement mais efficacement. Non, mais Anna, toi, t'es la reine du 80-20. Hein. C'est la queen Pareto. Non, mais elle m'a appris ça, c'était. Voilà.
Donc, tu n'as pas trop envie de travailler, mais tu fais 20% des actions pour 80% résultat. La base. La flémardise à son paroxysme, mais smart. Parce que être flémard pour être flémard, ça ne sert à rien. Tu n'auras jamais ce que tu veux. Et en plus, tu t'épuises pour rien, en fait. Et oui. Et surtout qu'avec le digital, on peut tout automatiser. Tu peux dupliquer, tu peux faire des copier-coller, tu peux faire des envois de groupe. Ton travail, tu peux carrément le raccourcir moins 50%. Donc, ouais, effectivement, avec le digital, c'est un des trucs que j'aime beaucoup. C'est que ça peut vite devenir très simplifié. Mais après, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qui ne sont pas confortables. Voilà, je ne sais pas, comme la prospection. Voilà, tout ce que je ne fais pas, d'ailleurs. On n'est pas... Personne n'est parfait. Hello guys, alors je vais terminer ce vlog. Je me suis rendu compte que encore une fois j'avais oublié de conclure mon vlog, donc j'espère que ce format vous aura plu également. C'est un peu plus intimiste et on se confie un peu plus, et je vais essayer de faire davantage de vlogs en extérieur. Carole m'a dit qu'apparemment je faisais pas assez de vlogs dehors. Et en effet, donc je vais vous filmer de plus en plus l'extérieur, enfin voilà, la ville de Kuala Lumpur. C'est vrai que je sors pas tant que ça, je bosse pas mal en intérieur, mais je peux faire un effort supplémentaire sans souci. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.